les orphelins du Congo RDC. Quand les conflits deviennent plus violents, quand la guerre ne respecte plus ni les civils ni les humanitaires, comment continuer tout de même à porter secours aux populations? La République démocratique du Congo, près de 11% de la population africaine totale est orpheline. À raison de la guerre dans l'est du pays, et au centre du pays, de la malnutrition, de la pauvreté, de la maladie et de la médiocrité des soins de santé en milieu rural. Alors que le sida endémique a rendu orphelin plus de 170 000 enfants, le paludisme demeure la plus grande menace. La capitale est remplie d'enfants qui mendient, appelés Tchédé, dont beaucoup sont orphelins. Comment les aider? Parrainer un enfant, si ça compte pour vous, imaginez comme c'est concret pour lui. Le parrainage, c'est donner la chance à des enfants d'accéder à leurs droits fondamentaux, éducation, santé, nutrition, accès à l'eau potable. Être parrain avec un enfant par la main, c'est soutenir la cause des enfants et promouvoir leurs droits, correspondre avec l'enfant parrainé ou sa communauté à travers des lettres, des dessins, des photos que vous échangez. Suivez son évolution en recevant un rapport annuel concernant sa scolarité, ses progrès et l'état d'avancement des activités de programme. Avoir la possibilité de rendre visite à l'enfant, sa famille et sa communauté et se rendre compte des bénéfices concrets du parrainage. Apportez votre soutien à toute une famille et son village au travers du parrainage d'un enfant. Petit Congolais, manifestation de salami pour le pandémie à Kusumbabango. Monsieur Monsieur tout, qui tente sur la maille de la mission, pour ne pas se supporter Banoué. À Kamanda, malheureusement, la place de ces manifestations, la petite adresse, la petite détermination, la petite objectif, la petite dureté, et dès que nous avons dit que ça, et 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 nous avons dit que ça, mais comme d'habitude, nous avons dit que ça, et 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 nous avons. Il y a une manifestation humanitaire. Alors, la manifestation humanitaire, parce que nous avons une humanitaire que même à organiser, ce que nous avons dit à côté, ça peut être savoir qui est éduqué. Alors, ici, quand on a des places, on a dit que si on a une manifestation, il fallait aller du service, qui est la manifestation. Il faut changer.
moi-même que je réussis à rendre. Je sens une manifestation de vie humanitaire, de taille de la tête. Mais, si la maman est vite, la maman est finie. C'est que si la souris est bâtie, bah non, dégueulée. Voilà la question qui a eu la question pour se poser. Mais, pour la solution à nous, what? Bateau d'organiser une manifestation, l'idée va être dit, pourquoi organiser une manifestation, il fallait dans la bien précise. Nous assistons ici à une manifestation humanitaire pour les enfants de la République démocratique du Congo et la République du Congo. Cette manifestation expose les sources et conséquences d'une tension constitutive du discours humanitaire, soit celle entre la reconnaissance d'un égalitarisme socio-culturel et l'attachement à un universalisme moral individuel axé sur la personne souffrante. Nous analysons les origines ethnocentriques du projet humanitaire qui rendait l'appel à la charité et à la sympathie compatible avec une hiérarchisation des peuples à base raciale et ethnoculturelle. Cette manifestation étudie un mécanisme clé et sous-estimé de l'humanitarisme, soit le régime de sentimentalisme visuel à travers lequel la personne souffrante est représentée comme victime méritant d'être sauvée, d'autant plus que son image évoque la pitié ou la sympathie dans la sphère publique. Enfin, cette manifestation explique comment le régime visuel de l'humanitaire accentue le paradoxe entre l'individualisme moral, sentimental de l'humanitarisme libéral et de justice mondiale prise par la cosmopolitisme. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni tout quelqu'un est au-dessus de loi. Dans l'état même de la nature, l'homme ne livre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qui n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques et pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leur affaire. En sainte sacrée des lois, ils en sont les ministres et non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme que son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En même temps, la liberté suit toujours le sort de loi. Elle règne et périt avec elle. Je ne sache rien de plus certain. Jean-Jacques Rousseau, lettre écrite de la Montaigne, 8e lettre, 1764. Et voués à la destruction, faisons du bien à nos orphelins. De nom, nous le pouvons. Chers frères et sœurs, nous remercions d'avance tous ceux qui nous ont apporté des fournitures scolaires, car, comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde où